Je voudrais que vous sachiez que je suis quelqu'un qui tient farouchement à son indépendance et qui, pour le moment, n'envisage aucun lien qui puisse l'aliéner d'aucune sorte, si je puis employer cette terminologie juridique. Bon. Ben, je suis confuse de vous déranger. Je suis un peu comme un nomade, c'est-à-dire que je suis libre d'aller où je veux, quand je veux, sans avoir de compte à rendre à personne. Je sais pas si tu te rends compte, mais ton point de vue est d'un égoïsme fou. Mondains sont des gens qui vivent toujours dans le même cercle étroit de relations, qui vivent dans Paris comme dans un village. Moi, j'aime de plus en plus les endroits impersonnels, comme ici. Les cafés sans clientèle d'habitués. Noyé dans l'anonymat, ça m'inspire, tu peux pas imaginer. Il y a des moments où je me demande si tu crois ce que tu dis. J'avais envie de vivre la vie de bohème pendant quelques temps. Et moi, automatiquement, quand on m'aime trop... Tous les gens que j'aime, je les vois peu. Moi, je peux aimer profondément quelqu'un que si je peux penser à lui de temps en temps de loin. Voilà. Tout à fait d'accord. Pour moi, non. L'amour n'est pas le collage. J'ai horreur de la colle et de tout ce qui est collant. Et là que je tombe sur le mec le plus collant, c'est tellement lamentable que j'en ris. Peut-être est-il dangereux, mais j'ai toujours eu la fascination du danger. Que tu te montres pas ton propre cœur tout de suite, toi. Parce que c'est comme le jeu des cartes, tu sais. Tu ne peux pas le montrer tout de suite, qu'est-ce que tu as dans ta main. Et ça m'a parfois mené dans des situations délicates, devant des choix douloureux. Alors maintenant, je préfère freiner. Quand il est temps. Quand on n'a pas encore abordé la pente dangereuse. Quand il n'y a encore dans l'air que le soupçon de ce que je redoute, à savoir que mon choix pour les choses graves et les choses moins graves ne puisse être pris dans une entière liberté. Je pousse le souci de la liberté d'autrui jusqu'à la manie. À tel point que ça dégénère quelquefois en tyrannie. Il faut que je quitte mon milieu et je ne peux le faire que par volonté délibérée. Au moment où vous êtes libre, alors profitez-en. Ne vous laissez pas confisquer votre liberté. Oui, c'est ça. Je flotte. C'est bizarre, cette impression. Ben moi, je trouve ça normal quand on change d'avis toutes les deux minutes. Ce n'est pas parce que j'étais follement amoureuse de Charles et que je suis très triste de quitter Loïc que je ne serais pas heureuse avec Maxence. Félicitations! Tout ça est très, très compliqué. Mais non, c'est très simple. Apprends à vivre dans le présent. Ça te donnera beaucoup plus de force. L'amour comme la vie est dans le temps. Dans le temps, oui, mais dans le temps présent. Toi, par exemple, Pierre, tu es dans le futur. Mais une espèce de futur improbable et tu vis pas. Imagine quand même que depuis l'âge de 15 ans, il n'y a pas eu une journée, une période même où j'ai pu me dire complètement seule. Parce que quand j'ai quitté le premier garçon avec qui j'ai vécu, eh ben, je connaissais déjà le second. La transition s'est faite sans secousse. Je m'attachais de plus en plus au nouveau, tandis que je me détachais doucement de l'ancien. Je crois qu'il y a une chose qui me manque absolument, c'est d'avoir éprouvé la solitude. Et peut-être même d'en avoir souffert. Il faut choisir, c'est un choix très douloureux. Allez. Solitude, c'est pas marrant du tout. Mais j'aime être avec toi. Quand on vit ensemble, on sort ensemble, c'est normal. Hein? Aimer quelqu'un et vivre avec lui sont deux choses différentes. Il y a des moments où je me demande si tu crois ce que tu dis. Oui, mais quand on vit ensemble, on sort ensemble, c'est normal. Moi, si Xavier était sorti sans moi, j'aurais pas supporté. Là, pour un homme, un sentiment durable, on l'épouse? Oui, bien sûr, toi, tu fais toujours des généralités. Parce qu'il y a plus de gens dans mon cas que dans le tien. Je pense vraiment que si tu acceptes que je dorme de temps en temps à Paris, ben, c'est la meilleure façon de sauver notre amour. Ensuite, on verra. Ensuite, tu ne t'arrêteras pas en si bon chemin. Un jour, tu prendras un amant et tu diras aussi que c'est pour sauver notre amour. Si tu veux, quand tu vas avec quelqu'un, quand t'es seul, quand tu vas avec quelqu'un une fois, comme ça, à droite, à gauche, on se sent, moi je trouve qu'on se sent encore bien plus seul après. Tu vois, quand tu rentres le soir dans ta maison, t'as couché une fois avec un mec, tout ça, tu sais très bien qu'il s'en fout et toi aussi tu t'en fous. Et que personne ne trouve son compte, tu vois. Je trouve ça encore plus horrible que d'assumer sa solitude. Ça devient comme ça, ça devient comme une éthique de vie, une règle. Pour le reste, tout est flou pour moi. Tout est bon. Tout est flou. Pourquoi flou? Je sais pas, parce que je suis pas quelqu'un qui est très opérationnel dans la vie. Mais t'es vraiment nul. Pourquoi tu pleures? Pour rien.
C'est très difficile de vivre dans deux endroits à la fois. Quand je suis dans l'un, j'ai envie d'être dans l'autre. Oui, des garçons, tourner les tables, moi, j'ai jamais, non, jamais ça... essayé, mais je peux essayer. Il est grand, il a les yeux verts, cerclés de noir. À la fois, je le regrette pas, mais je prends des risques. Je sais pas ce que, je sais pas ce qui va se passer si tu vas pas m'en réagir. Que c'est une histoire d'amour, parce que c'est une histoire romanesque, parce qu'il y a des personnages tout à fait extraordinaires qui cherchent. Pour moi, ce n'est qu'un état d'attente. Attente de quoi? Profond et durable. Mais j'y crois si t'y crois pas, et ça m'empêche pas du tout de vivre. Tout simplement... de cette chose totalement imprévisible qu'est l'amour. Vous trouvez pas qu'on a assez parlé de ça? Si on mettait de la musique? Qu'est-ce que vous voulez? Choisissez. Ça. De...